Alléluia. Je ressens ce moment qu'on puisse demander encore une fois pour nous-mêmes, chacun individuellement, une plus grande révélation de son amour pour nous. Le mot d'ordre que j'entends en ce moment, c'est encore une fois la révélation des fils et des filles de Dieu dans ce temps-ci. Et le Seigneur est en train d'enlever. J'entends Esther, tu es née pour un temps comme celui-ci. Et la couverture toute soyeuse que tu avais sur toi, qui te disait que tu étais protégée de tout, en ce moment, je l'enlève graduellement pour révéler qui tu es, pour révéler ta vraie identité. Et cette identité-là va être de plus en plus révélée au fur et à mesure que les temps vont venir. Parce que à cause de mon amour, je veux te montrer que je suis avec toi. À cause de mon amour qui a chanté sur toi, qui a déclaré sur toi depuis le ventre de ta mère, que tu es aimé, tu es choisi pour un temps comme celui-ci. Je suis avec toi, le Seigneur te dit. Et il te dit, autant que Esther devait sortir de son temps d'enfance, de son temps où est-ce qu'elle était en train d'être préparée, le Seigneur te dit, tu es prêt pour un temps comme celui-ci. Tu es prêt pour un temps comme celui-ci. Le Seigneur te dit, à cause de son amour, on ne va plus voir ton identité à toi, hein? Toi, Pierre, Paul, Jacques, qui que tu sois, hein? Mais on va voir la personnalité du Christ sur toi pour un temps comme celui-ci, parce que le Christ est en train de révéler qui lui appartient vraiment pour un temps comme celui-ci. Et il te dit, prends une plus grande révélation de mon amour ce matin. Prends une plus grande révélation de qui tu es pour moi, parce que malgré ce qui va se passer, l'ennemi va vouloir te faire croire que je ne suis pas avec toi, que je t'ai abandonné, mais le Seigneur te dit, je suis avec toi, je ne t'abandonnerai jamais, je suis avec toi, je ne t'abandonnerai jamais, je suis avec toi, je ne t'abandonnerai jamais, j'ai toujours été avec toi, même depuis que tu as été conçu, j'ai toujours été avec toi. Prends une révélation de mon amour et laisse-moi révéler qui tu es, laisse-moi révéler les fils et les filles en ce moment, parce que c'est pour un temps comme pour celui-ci que tu as été créé, que tu es né, que tu as été sauvé. Pour un temps comme celui-ci, il est temps. Esther, réveille-toi. Esther, réveille-toi. Ce matin, réveille-toi. Oh.
de force ce matin. Force et courage. Force et courage. Force et courage. Force et courage. Vous allez voir de grandes choses, le Seigneur dit. Ça ne va pas nécessairement être confortable, mais force et courage. Force et courage. Force et courage. Mon amour qui est intrépide, mon amour qui va chercher jusqu'à la dernière brebis, cet amour-là, je vous revêt de cet amour ce matin. Esther, réveille-toi. Esther, réveille-toi. Oh!